Alors, eh bien, écoutez, je suis de retour directement à Malibu. Just roll with it, Jay. You're probably face down in the jacuzzi having an embolism. Quite a pleasant way to go, under the circumstances. Tout joli, tout pas mal. Alors, donc en fait, là, le DLC, on peut pas y aller via la carte. Puisque là, la carte, elle est dédiée au DLC. D'ailleurs, c'est sympa, mais je me rappelais plus qu'il y avait ce genre de carte dans le jeu original. Et donc, du coup, on y accède uniquement via la petite invitation qu'il y a en dehors de la maison principale. Ok. Bon, on va aller là, hein. This ain't right. My name is Yonghor. You are. Yes? Yeah. Hi. Comme c'est beau. Sorry. I was lost. Directionless. Wondering why you are here. C'est très joli. Oh. Shiny and skin tight. Oui, je me demande si c'est pas un mélange entre secte et club un peu particulier. Ah oui, ça, j'ai oublié qu'on pouvait looter. On pouvait looter toutes sortes de trucs. Ok. Ah, un atelier établi. Alors, donc j'ai un fusil d'assaut, un fusil à pompe. Qui enflamme un fusil verrou, un pistolet et puis des trucs qui coupent. Ah. Donc là c'est les armes haut niveau hein, puisque j'ai repris mon personnage de fin de jeu de la quête principale. Donc j'avais pas fait toutes les quêtes secondaires non plus, donc c'est pour ça que je suis niveau 26, mais je suppose que on peut aller beaucoup plus haut. Et voilà. Et fabriquer. Ah bah tiens, je vais faire ça. Tac. D'accord. Là je suis au max. Donc là j'ai refait des munitions en fait pour mon fusil d'assaut et mon pistolet. Voilà. Et du coup je dois pas avoir les plans pour les munitions de... mince, comment on fait ici? Pour les fusils, le fusil à verrou, ni pour le fusil à pompe. Voilà. Comme on peut voir déjà, détail. Voilà. Donc les gaufriers cosmétiques contre des zombies vulnérables, d'accord. Et convertir votre arme pour un fusil, ok. Ah, ça c'est cool ça. Si je tire, si j'explose un ennemi à la tête, ça fait une explosion. Ok. Bah, très bien. Voilà. Je sais pas si je vais looter partout, hein. C'est pas la peine. Faire de la thune, c'est cool, mais... J'ai l'impression que c'est pas hyper fluide, hein, Léo. C'est-à-dire que ça va aller comme ça. Ah oui, ça c'est mon casier. Ah oui. Ça je vais garder parce que je le revendrai. Toi aussi, je pense. Ça, je sais pas ce que c'est. Nous réclamer. Cosplay. Ah oui, ça c'est parce que je dois avoir la version gold, donc du coup j'ai des costumes en plus. Donc je vais garder celui de base, hein, c'est pas la peine. I'll make myself at home. Ok. C'est chouette. Ça doit tomber, ça, je pense. Si on tape dedans. Et donc, comme c'est électrique, ça doit électrifier le sol. In time, the savage bull doth bear the yoke.
Ouais, d'accord. Oh dear, I detect a huge ego, and it ain't mine. If I don't have issues, someone does. Ok. Et je vais mettre au milieu. Ah. Am I in my head, looking at a head that symbolizes my head? Oh, someone got careless. Ok. Lui aussi est décédé. C'est cool, d'accord. Bon, on va aller par là. Lock tight. Ouais. Hello. C'est parti. Et bam. Ouvert tout d'un coup. Interesting. Bloody hell. Comme c'est étonnant. That was a good one. Well, don't stand around gawping. Put me back on my body. Huh? Right in front of you. Come on. That's it. C'est pratique. Your face. You look like you just walked in on your parents. Whoa. Ça marche pas très bien son truc. Damn. This is not ideal. You're a talking head. I can see I'm in the presence of a great mind. Call me Vincent. How are you still alive? Technology. We are technology, évidemment. Chosen, as are you, our savior. Nah, bruv, you're bluffing. I'm no naive cult recruit. So, your plane wasn't shot down just when you thought you'd escaped? How could you know that? Oh là là. Constantin knows. Fuck. Little help. Ils savent s'amuser quand même, les devs. Look, Constantin knows everything, including that saving us is your destiny. That's why you're here. I want to meet this fella. Right now. Of course you do. I remember when I first walked through that door. Everything changed. Constantin's through there. Constantin and all the Ascended. But we had to seal it. Zombies, you know. You'll need two more heads to open it. Of course I will. Veronique, our unabashed couturier's lovely head, is hidden in what she calls the deeper. Je comprends. What about that one? Young Ho. We'll get to him later. First, Veronique. But to reach her, you must experience our rites of passage. It's a challenging artwork, my magnum opus. It will open your mind, I promise. See you back here soon. Who's going to believe it's okay? Constantine has shown great interest in your future with us. C'est très beau. Wow, me? Oui, donc en fait, moi, je fais le Metal Leg, comme dans Tarkov. C'est-à-dire que je découpe les jambes. Et ça marche très bien. Ouais, d'accord. Ok. Je vais vous attendre, d'accord. Lovely. C'est marrant ça, dis donc. Un bidon d'eau. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ah.
Ah oui, j'ai un truc. Voilà, ça c'est quoi ça? Ça c'est contendant. Ça c'est électrique. Donc du coup, si je lance ça, je vais pas marcher sur la pelouse. Pourquoi? D'accord. Merde. Ouf. Alors, faire quoi? F. Merde, je suis trompé de touche. Ok, ouais, c'est pas hyper hyper fluide. Lame, d'accord, d'accord. Je vais vite fait passer en... avancer. Du coup là je suis en moyen, je vais juste mettre en équilibré. Ouf. On sera un peu moins beau, mais ça va être un peu mieux. Et parce que... parce que sinon ça va être moins agréable. Et donc du coup en fait quand je marche sur l'herbe, les zombies arrivent en fait, tout simplement. Allez, on va aller par là. Raté. Qu'est-ce qu'il dit là? Ok. Alors oui, c'est ça. C'était... Voilà. Non. Ok. Après, je ne me rappelle plus très bien à quoi ça sert de looter. Et hop, mutilé. Très bien. Et ça me rapporte de la vie, ça, quand je fais certains trucs. Ah, il y a un mec là encore. Là. Bon. Ok, et ça c'est quoi? Aérosol, d'accord. Je dois être à fond hein, en termes de merde à ramasser. Ouais, d'accord, établi. Zombie proche. Je vais trop dessus sans doute. J'entends des bruits. La localisation du son n'est sans doute pas idéale. Ok. Ok. Ah oui, c'est vrai, j'ai aussi la colère sanguinaire. Si je suis un peu acculé, je peux m'en tirer en... Ouf. Je cherche pas trop hein. Voilà. Un indice. Alors comment on fait déjà? C'est quoi la touche? Non. Pas la touche. Oh putain, ça c'est chiant. Je me rappelle que ça faisait ça déjà. Salut Gotax. Je joue à la manette? Non, je ne joue pas à la manette. Et le HUD. Ah le HUD, il prend trop de place, tu trouves? Je crois que je peux changer le HUD. Lui. Mais au niveau de la tâche, je suis pas sûr. Je peux désactiver les dégâts flottants et trucs comme ça. Mais ouais, j'ai pas trop envie de changer ça parce qu'après ça. Dans l'affichage, c'est pas pour ça. Bon, moi ça me dérange pas spécialement l'interface. Mais par contre si t'as l'impression que c'est pas hyper... Bon. Je sais pas pourquoi tu dis que c'est que j'utilise une manette. Parce que t'as l'impression que c'est pas... que je suis pas aussi réactif que si si c'était... Oh c'est joli. Volant de valve, ok. Okay. Volant de valve. Ah, il est là.
Ah, du coup, j'ai cru qu'il y avait les instructions manettes. Non, je ne crois pas. Pas l'instruction. Détruisez un objet précieux dans les flammes. Bah. Ah ouais, non, ça me fait chier ça. Si je vais faire ça. Attends, comment on fait déjà? Il faut que j'aille en bas. Tac, 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 tac. Je vais sacrifier une arme, mais. Malin. Je vais prendre une arme qui m'intéresse pas. Alors, comment on fait? Déjà, ça, j'ai. Je vais. Voilà. Comment on fait déjà? Non, putain. Ah, c'est comme ça en fait. Voilà, par exemple, je vais jeter cette arme là. Donc, je me branle complètement. Donc là, on est parti. On va monter. La 106. Wouf. Ça va. This is the most valuable thing I lovely. Ça y est, c'est tout. Ouais, c'est pas très impressionnant. Couvez le prochain initiatique. Ok. Mais du coup, je vais aller dans inventaire. Je vais remettre mon katana électrique ici. La sensio. En fait, comme c'était au corps à corps, t'as besoin quand même que ce soit assez élevé. Hein. Et après, si tu veux, je vais te montrer un petit peu de. Un petit peu de fusil à pompe. Hein. Ah. Évidemment. Et bah tant pis, hein. Allons-y. Ah non, je ne peux pas. Ouais. Hop. J'ai quand même vérifié par là. Non, ça se repart. Hop là. Ok, bon. Et bon, on va faire un petit carnage. Tranquillou. Alors, on va aller par là. Une bonne idée. Fusée à pompe. Ah, disons que c'est toujours pas hyper fluide. Hein. Ah, on peut lui briser les genoux aussi, c'est assez sympa. Hop, une petite boisson énergisante pour récupérer de la santé. Et en même temps. Oh, ça c'est vrai que c'est jouissif quand même. C'est tout. Ouais. Je regarde ici. Qu'est-ce que je peux baisser un petit peu? Faire ça déjà. Allez, on va mettre ça. Faire ça. Tac. Voilà, on va déjà partir comme ça, on va essayer de voir si c'est mieux. Ah ouais, c'est moins beau, mais au moins ça va être un peu plus fluide. Ah oui, mais bon, c'est pas les mêmes fonctions. Hein. Oh, c'est beau. Ça ne fait rien, a priori. Ok. On va aller voir par là. A priori, de toute façon, la lumière là. Faut qu'il y en a aussi là. C'est bon. Paf, paf, paf. Alors.
Ah oui, ça s'ouvre. Bah évidemment, c'est par ici qu'il faut aller. D'accord. Ah, ça c'est une sirène. Attends. Voilà. Effectivement, c'est efficace. J'ai quoi aussi? Ah oui, j'ai ça, c'est rigolo. Voilà. Big brother. Ok. Back. Ouais. Heureusement qu'il y a une lampe torche quand même. Hein. Ok. Il y a du monde là-bas, d'accord. Voilà. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié qu'il y avait les coups de pied sautés qui étaient très efficaces. C'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh, on peut aller par là. Allons-y. Hein. Oh, comme c'est beau. Ah oui, tiens. Il y a un truc de soin, mais je sais plus comment on fait pour utiliser les soins. Touche. Arme. Soigner. H. Pas pratique, mais bon. Ok. Ah, c'est verrouillé. Où est le dernier item? Hein? Ah, vas-y, je sais pas moi. Je fasse quoi? Bah, saisis. Ouais, d'accord. Supporter la douleur, c'est-à-dire. Bon. D'accord. Bah, je vais monter, hein. Je suis pas allé en haut. Oh, c'est mignon en tout cas ici. Hein. Très très cosy. Par contre. Inventaire, objet collecté, journaux. Oh merde. Ah, c'est bien rangé, cool. Ça, on s'en fiche, c'est pas ça que je veux. Ah, c'est ça. Nanana, ok, d'accord. Ah, mais c'est en rime et tout. Ah, ils ont fait des efforts. Ça, c'est cool. Bienvenue à ma fête, chers amis sans visage, en ce lieu merveilleux où le temps est sans âge. Ça commence bien, il y a deux alexandrins d'affilée. Dans le bruit et la foule, je danse plein de grâce et j'entends mes doigts froids pour frôler chaque face. Les convives pressés de leurs yeux grands ouverts me voit caracoler à ma gaieté légère, modestement vêtu, un anneau pour tout elle, pantin de viande nue, pendu en ribombelle. Franchement, c'est la classe, quoi. Les mecs de la traduction française, ils sont bien éclatés, quand même. Attendu, j'invite mes congénères, joignez-vous à ma danse, ô mes charnels frères, mes charnels frères. Chaque membre ajouté à la troupe pendante. On voit tous les appâts de la foule passante. Agrandir, c'est quoi agrandir? L'espoir, ils se pressent, tous se rêvent de partir, quand les danseurs, eux, restent pendus à leur martyr. Ça marche pas, ça. Quand les danseurs, eux, restent pendus à leur martyr. Il y en a 13. Dommage, hein, presque sans faute. Non, Molière, c'est... Ouais. C'est avec joie, pourtant, que je leur dis adieu. Je leur dis adieu, car vainqueurs comme perdants, tous finissent sans ces lieux. Ok. Cool. Non, moi, j'aime bien, c'est rigolo. Franchement, ça montre qu'il y a vraiment une implication. Et qu'il y a... Même rien que dans la traduction, quoi. Je veux dire, ils auraient pu ne pas chercher à faire un truc en rime et en alexandrin, quoi.
Ok. Bon. Là, on s'en fout. Ah. Voilà, ça c'est bon. Je trouve quand même que c'est tellement agréable de découper les jambes au niveau des genoux. Ou alors de les fracasser les genoux. J'aime beaucoup fracasser les genoux aussi. Je passe ici, moi. Il y a un truc là, mais je peux pas y aller. Comment je peux? Ah non, alors. Hop, c'est temps de malheur. Ouais, faut la regarder en version UK. Ouais. Ah, je peux peut-être passer là. Non. Je sais pas si je peux regarder en version anglaise, en fait. Comme j'ai le jeu en version française, même si le son est en anglais. Je suis pas sûr d'avoir la possibilité de changer. Ah, il y a du monde ici. Ah, c'est là qu'il y a. Non, il est où? Ah, c'est verrouillé. Quoi? Ouvre par l'autre côté, d'accord. Je vais aller voir. Ouais, d'accord. Ah non, non, tube en acier. Pas du tout, pas du tout. Tube en acier, comment on fait pour supprimer? F4. Ok. Et du coup, faut supporter la douleur. C'est-à-dire qu'il faut que je mette là? Ou alors c'est une connerie, je ne sais pas. Ça doit pas être ça. En tout cas, c'était rigolo. Ok. Bah on va redescendre. On va redescendre. Si je trouve comment on fait pour redescendre, c'est ici. J'ai ma vie qui remonte tout seul aussi. Hein. Et là, j'entends quelque chose quand même. Là. Où est-ce que c'est? C'est ça? J'ai pas saisi là. Voilà. Il est mort quand même. Ouais. Bon, bah je vais aller dans l'autre maison, on verra bien. Hop. Ah et là je peux bouffer tous les trucs là, ça m'a redonné de la vie. Bon, on y va. Ouais. Allez, c'est parti. On peut pas monter là. Il y a un truc. Mais comment on fait pour monter? À moins qu'on puisse rentrer par derrière, je ne sais pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? 3 shall be the number of the trials, and the number of the trials shall be 3. Ouais, d'accord. Effectivement. Mais c'est verrouillé, mais c'est une... Voilà, hop, et puis la tour, hein? Putain. Et là, comment on fait pour rentrer là-dedans? Allez, on va tenter, on verra bien. Ah, c'est par ici. Est-ce qu'ils vont venir jusque-là? Oui. Attends, hop, je me suis trompé. Non, ça marche quand même. Ah. Ah non, d'accord, il se rechargeait, c'est pour ça. Coucou. Ah. Un petit délai quand même. Alors. D'accord. Ça s'est fermé. Ah putain. J'ai cru en plus. C'est pas par là. Bon. C'est très intéressant là du coup. Faire quoi ici? Ah,
Ce bruit d'os brisé, c'est sympa quand même. Et pouf. Bon, ok. On va retourner à l'endroit où on était, puisque j'ai pas compris. Rouge là. On a vu ça. Bon. Je t'ai coincé quoi. Ouais, c'est cool. Ah non, j'ai pas le droit. Is this rehab? Everybody wants me off the grass. Ah, ça fait du bon. Hop, raté. Ah, ça aussi, putain. Ah, le flingue, tiens, ça fait longtemps. Raté. C'est pas très efficace, hein. Faudrait que je change ça. Voilà. Et hop. Bon bah voilà, ça c'est bon. Alors du coup. On va remonter. Hein. Donc là non. Et en haut, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il n'y avait rien. À moins qu'il y ait un truc on, off. Ça, c'est fake, c'est dommage. Ah si, je me rappelle. Ok, j'ai compris. J'avais oublié, effectivement. Hop là. Voilà. Et donc, du coup, ça fait que ça a allumé un truc. Puisqu'en fait, il fallait que je fasse juste un... Merde, ça a marché. Ah si, c'est bon, ça marche. Ouais. Ça fait le lien. Et du coup, qu'est-ce que ça a ouvert? Je ne sais pas. Toujours pas aller là. Ah d'accord, j'ai compris. Hop. C'est quoi ça? La merde. Ok. Donc maintenant. Il faut que je descende. Je vais fermer. Quoi? Ah, c'est vraiment dommage. Je puisse pas aller là. Ah. Eh bien, let's go. Salut Speed Fusion. Ouais, j'ai allé au sous-sol. Ok, Jay. Ah putain. Donc là, maintenant, il faut que j'aille là-dedans. Et du coup, je sais. Ah, et ça ouvre la porte, ok. Mais je vais crever là. Ah, je vais faire H. Voilà. Que c'est bio. D'accord. Ok. Eh bien, on y va. Avec un petit fusil à pompe. Transfert de biens, ok. Alors normalement, je devrais normalement avoir une touche pour aller directement sur le truc. Mais là, en l'occurrence, ça ne marche pas. Donc, c'est un peu de la merde. Ok. Ah, d'accord. D'accord. C'est rigolo. C'est toujours un peu... Enfin, c'est ce que j'aimais bien déjà dans le jeu original, c'est que y a des petits messages, enfin, des petits trucs pour se foutre de la gueule des gens. Là, en l'occurrence, c'est par rapport à l'IA. Mais dans le jeu d'origine, il y avait pas mal de trucs par rapport au Covid et tout ça, aux gens qui niaient le fait qu'il y avait le Covid.
Ouais. Fait du bruit, hein, son truc. Hein. Ok, let's go. Oh, c'est fermé. Et bah, je vais reprendre un truc. Ça va arriver. Ok. Allez, hop. Ah si, j'ai une idée. Et hop là, je deviens enragé et là, je défonce tout le monde. Allez, ça y est, c'est fini. Mais c'était rigolo. Et puis ça va revenir assez vite parce que je mutile beaucoup de gens. C'est déjà fini? Oh. Et ben voilà. Bon, c'est vrai que compulsivement là je chope tout ce que je peux, mais en fait ça sert à rien parce que je suis full life et puis voilà. Donc bah, ça y est, maintenant je peux remonter. Et puis là, comme par hasard, ce sera plus verrouillé. Voilà, exactement. Un peu le principe. Donc ça, la boisson, normalement c'est pour me soigner, mais ça me permet aussi de remonter ma jauge de folie là, à moitié là, pour devenir enragé. D'accord. J'ai fait le tour, c'est ça? Ok. Ah, je suis dans l'autre maison en fait, c'est ça. Catalogue des secrets. Allez, je vais regarder ce que c'est. Inventaire, non. Objets collectés, journaux, hausse. C'est pas très pratique. Hein. Objets de coucherie. Ok, génial. Ah d'accord, le genre de secret, c'est le secret de chacun des gens. Ok. Ok. On lui pas les trafiquants. J'ai 17 ans. Ok. Non, mais c'est, en fait, je suppose que dans l'optique d'une secte, c'est des documents qui servent derrière pour faire pression, pour pas que les gens quittent la secte. Un peu comme comment ça s'appelle là comment ça s'appelle cette secte là? Bah, celle où il y a Tom Cruise et tout ça là. Apparemment, c'est un peu de ce genre là. Ils se livrent et puis après, il y a un petit peu de chantage, histoire de garder les gens. Ah, c'est bien ça. La scientologie, effectivement. Je vais... Ça m'était sorti de la tête. Et ok. Pendant la hamster l'année dernière, je ne voulais pas m'en occuper. C'est un VG pour le boulot. Tombé dessus. Un jour, j'en ai eu assez. Je n'en pouvais plus l'entendre courir dans sa roue. Alors grignote, ils allaient faire un tour au congélo. Quand elle l'a trouvé, j'ai fait semblant d'être inconsolable. Hein? Quand elle l'a trouvé. J'ai fait un joli enterrement avec la musique et un petit disque. Ensuite, elle a pris un lapin. C'est le prix de rongeur. Ah, d'accord. Okay. Ok. Eh bien, d'accord. C'est cool. Et je fais quoi, en fait, là? Ouais, je suis dans l'autre maison. C'est cool. Ça vient de se refermer devant moi, on est d'accord. Mais non, mais je ne connais pas cette pièce. Ok. Ah. Oh, c'est beau, c'est mignon ça. À mon avis, il y a un truc à fight ici. Ah, va falloir chanter.
did she rub my face in it. She went into acting and straight away got her big break. Lead role in a Broadway play. Oop. So, on opening night, ah, ce serait pas la... Ah, c'est sympa ça. Ce serait pas la sœur de Emma? On loupe pas. D'accord. On fait c'est où? The classic crushing of ego, eh? Ok. I once did a stunt and was totally nonchalant, but in the taxi home, I had a little cry. Ah, ça va, c'est gentil, hein. I see. Like that, is it? Ah. Okay. When I got home, I also had a big cry. Then a bath with candles. You guys make the Marquis de Sade look like a baby sugar glider. Ah, cool. Ok, c'était... il n'y en avait qu'un seul ? C'est tout ? Oh, c'est rigolo ça de mettre un zombie là-dedans. Descendez au plus profond, c'est-à-dire... Eh bien, descendons. Ah, il y a du monde ici. Voilà. Ah bah voilà. Je peux lui écraser la tête? Non. Eh oui, non, je ne peux pas. Bien dommage. Voilà. Il y a du monde ici aussi. Ah oui. Où ça? Ah, c'était là. Merde. Bim. Hop. Il me faudrait un petit établi quand même, ce serait bien un petit établi. C'est dans la première, il me semble. Comme ça, je vais réparer mes armes. Ah, il y a du monde là. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est vrai que je coupe pas beaucoup les têtes. Ah, ben, j'ai raté. Ah, voilà. Non, ça, je suis full. Ah, il y a des zombies proches. Ils sont où? Ils sont où? Ah, merci pour... merci pour le follow, Fizito del Fuego. Si je suis surpris, c'est parce que j'ai pas l'habitude. Désolé. Hop, et ça souffle. Eh bien, bonne soirée, Gotax. À bientôt. Non, moi, je voulais faire un truc d'abord. Ah, c'est pas ok. Allez hop, on découpe les genoux. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Deux genoux pour le prix d'un. Et non, normalement ça peut être bon, je dois pouvoir retourner ici. Non, il y a encore du monde. Ah, mais ils sont où? Ils sont dehors? Ils sont pas dehors. C'est le trottoir dessus. On va changer, on passe à l'électrique. Alors. Non, toujours pas. Et je bois un petit peu, comme ça me permet de remonter ma jauge. Ma jauge de dépenses. Je peux m'en dire plus sur DLC, j'ai hâte de rejouer à des DLC en 2. Mais écoute. C'est un DLC assez classique, hein, j'ai l'impression, c'est un nouvel environnement avec une nouvelle histoire, donc une histoire principale qui a l'air d'être assez plutôt bien poussée, dans la même lignée que le jeu d'origine, on dirait, qui se prend vraiment pas au sérieux en tout cas. Et c'est moi, c'est ce que j'avais apprécié dans le premier. J'aille où? Descendez au plus profond. Et où? C'est par là. Okay. Et voilà, bah sinon ça a l'air d'être pareil. Bah, il y a des nouvelles armes. Donc, pour l'instant j'ai pas encore vu, mais apparemment il y a une arbalète. Mais là je viens de commencer, donc forcément.
Alors oui, il est payant, il coûte 13 euros si tu as le jeu d'origine. Et sinon, si tu as le jeu, la version Gold, c'est inclus dedans. Parce qu'il était à 60 balles le jeu de base. Donc si tu as la version à 90, je pense que c'est inclus dedans. Ça va être vers le bas. Je vais d'abord monter. Ah, j'avais un fusible. Et c'est tout de même. Oh, ça c'est sympa ça. Je peux prévoir ça. Au cas où. Un volant de valve. Quoi faire? Ah, c'est pour couper ça. Pourquoi j'aurais envie de faire ça? Je ne sais pas. Ah, oh, une fourche. Ah. Alors là, c'est un petit peu con. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que... Non, toujours pas. J'ai pris une arme de feu contre un ennemi qui était enflammé. Et donc, forcément, l'ennemi est immunisé. Immunisé à ce type de dégâts. Là, j'ai balancé un peu d'eau. Je peux jouer les pompiers aussi. Hop. Voilà. Si, mais si on jette un bidon dans l'eau, par exemple, comme ça. Ah oui, donc là, ça coule. Mais voilà, il finit par exploser, en fait, le bidon. Ce qui est un petit peu con, mais pourquoi pas. Hein. Et voilà, moi, je sais pas pourquoi je récupère plein de lames. Poudre à canon, ok, pour le chimique, lame. Très bien. Ouais, je crafte un truc quand même, ça serait rigolo. Et on va tester quand même. On va tester. Ça, j'ai pas encore le niveau. On va tester ça. Ouais, je sais que c'est un peu de la merde par contre. Mais bon, en même temps, par exemple, le flingue est encore plus pourri. Parce qu'en fait, j'aime pas du tout les fourches parce que ça fait juste ça. C'est un peu pourrave. Bon. On va tester. Oh, on dirait. Salut! Oh, il n'y a personne. Le chimique, d'accord. Ah, immunisé. C'est pas bon. Par exemple, si je fais ça, voilà. Tac, ou ça. Immunisé aussi. À l'électricité, d'accord. Bon, maintenant, c'est un peu con. Et si, et au feu. Immunisé. D'accord. À mon avis, je pense qu'il faut une arme bien particulière. Et on va la récupérer au fond du trou. Est-ce que j'irais pas d'abord bricoler cette arme-là? Ouais, la peur, c'est que ça peut créer de la pression, mais ton bidon, il est ouvert. Donc la pression, elle s'échappe. Salut le gamer paisible. Salut, je dois savoir si tu conseilles le jeu, sachant que j'ai adoré le premier, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins axé monde ouvert que le premier opus. Oui. Alors le premier, j'y ai pas beaucoup joué, donc je saurais plus trop te dire. Mais le deuxième, en fait, c'est pas... Alors le monde est ouvert dans le sens où tu peux aller n'importe où, mais c'est quand même des zones assez restreintes. Moi, j'ai vraiment mieux aimé celui-ci que le premier. Ah, mais en fait... D'accord. Moi, je pense que je vais y revenir, en fait. Ça me fait chier là, c'est-à-dire que j'ai des zombies qui sont pas loin. Ah, ici. Oh, c'est de la merde, ça. Ouais, bon, bah voilà. C'est cool, mais bon. C'est pas non plus ouf. Hein. Toujours du monde au-dessus. Ah, on va les découper. Ah, bah oui, ils sont là. Là, en fait, ce qui est vraiment mieux que le premier, c'est toute la partie fight qui est vraiment, vraiment jouissive au corps à corps. Même la partie gunfight, on sent qu'ils ne sont pas attardés autant que pour le corps à corps, mais c'est quand même pas si mal. C'est bon, il n'y a plus personne. Hein. Allez, je vais pouvoir bricoler mon truc. Comme ça, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, donc, déjà, je vais réparer mon truc là, et je vais faire donc F2. Et là, bon, c'est...
qualité supérieure. C'est-à-dire que là, j'ai plein de trucs que je peux mettre. De base, en fait, c'est sur une arme normale ou juste rare, tu vas avoir une modification, voire pas du tout. Et donc là, je peux faire des modifications de base déjà. Donc là, c'est quoi? Donne un bonus dégâts physiques. Ok, là c'est de feu et là c'est acide. Allez, on va mettre de l'acide. Voilà, ensuite, alors le truc c'est qu'il faut aussi des composants hein, pour les fabriquer, les machins. Et le problème c'est que par exemple, tous les composants un peu spéciaux, genre un peu magiques, parce que c'est lié au truc de zombies, mais en fait il faut trouver des trucs de zombies un peu partout hein, en butant les zombies justement. Mais il faut vraiment grinder pour avoir plein de trucs quoi. Et il a, oui, en coop, c'est vraiment très sympa. Mais je trouve qu'il a vraiment son intérêt en solo aussi. En solo, tu peux suivre un peu plus l'histoire. L'histoire, en fait, est racontée à travers des petits bribes de journaux que tu peux trouver ici ou là, des messages que les gens s'envoient. Et quand tu es en coop, bah, tu prends pas de temps de le faire, ce qui est un peu logique, quoi. Tu t'amuses avec ton pote. Et voilà. Mais lire les petits trucs, c'est la narration environnementale. Plus ou moins, vraiment, t'as un peu de narration des trucs décrits. Je trouve que c'est vraiment sympa, ça rajoute un peu d'épaisseur à l'univers, tout en enfin, c'est toujours très léger, hein. C'est jamais premier degré, et ça, c'est plutôt sympa. Et pour revenir à la narration environnementale, c'est que tu peux vraiment comprendre ce qui s'est passé quand tu arrives dans une pièce, quoi. Et ça, c'est cool, c'est bien fait. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais augmenter les dégâts. Ou alors, qu'est-ce que je peux faire? La vitesse, non, il est déjà lent. C'est quoi? Les forces, mais la vitesse, non, faut pas que j'induise la vitesse. Augmente la vitesse. Ouais, on va plutôt faire ça. Augmente les dégâts tout court. Allez, hop. Et à chaque fois que je fais un truc, là, ça me prend des comment... Du stuff qui est à droite, là, que vous voyez, là. J'ai l'impression que c'est assez plaisant les combats, oui c'est sûr. Le jeu doit être sympa, non, ça on a vu, tu as récupéré ton stuff du jeu de base, ouais. En fait, quand tu. Pour le DLC, tu y accèdes depuis le jeu de base. Donc en gros, tu as ton personnage. T'es pas obligé d'être très avancé dans l'histoire pour arriver dans le DLC. Parce que de toute façon, c'est adapté à ton niveau. Et moi, ouais, t'as raison, le gamer paisible, moi je l'ai fait en solo pour faire le test en avril dernier. Et après, j'ai joué en coop avec un pote et on s'est vraiment bien amusé. Bon, on l'a pas fini en coop, mais et c'est vraiment sympa quoi. Qu'est-ce que ça fait ça? Touche un effet d'état. Bon, allez hop, allons-y. Et j'ai un manche renforcé. Donc, du coup, là, j'ai créé mon arme qui a maintenant, vous pouvez voir en bas à droite, des petits effets en plus. Et voilà. Et donc du coup, maintenant, je vais continuer. Ça, c'est, elles sont pas mal ces armes. Le couperet, il est rigolo. Mais clairement, par contre, si vous attendez à avoir un FPS au niveau des armes, c'est vraiment hyper light, quoi. Ça marche, mais clairement, c'est pas fait pour ça, quoi. T'as pas énormément de munitions. T'as réparé ça. T'as pas énormément de munitions, donc du coup. C'est sympa en fait pour principalement pour les gros ennemis. Parce que tu vas pouvoir commencer à faire du dégât. Il y a déjà du monde quoi, c'est pas possible. Donc tu commences à faire des dégâts avant d'y aller au corps à corps. Quoi. Hop. Et. Ah oh, putain, il y a encore du monde. Bon, je crois que tant pis. On ira plus tard. Ouais, le système de corps à corps est vraiment sympa. D'ailleurs, ça me... Alors, réaliste, je sais pas. Je t'avoue que je ne connais pas. Mais... en tout cas, il est très plaisant. Et ça me faisait un peu peur, parce qu'en général, dans les jeux, je suis pas trop fan du corps à corps. Mais là, c'est vraiment jouissif. Quoi. Alors, on y va. Qu'est-ce que j'ai déjà? Ah ouais, tiens, c'était quand même mon petit truc, là. Je trouve que l'ambiance, même la DA est vraiment réussie. Hey, merci Gamer Paisible pour ton sub prime. Si je sursaute, c'est parce que le son est extrêmement fort. Quand j'ai les notifs. Please,
Ah putain, c'est franchement, la DA est quand même folle quoi. Bon, par contre, tout cet aspect look que moi je trouve un peu chiant quoi. Ah, c'est Véronique qu'on entend. D'accord. Ok. C'est cool. Et donc moi je retrouve la tête de Véronique. Alors comment on peut faire ça? On peut passer là. Je pense qu'il y a un truc. Ah, un établi. Ah bah ça tombe bien. Bam. Bam. Voilà. Comment ça marche? Je vais remettre mon petit flingue de merde là. Je vais essayer. Non, ça marche pas ça. C'est dommage quand même. Si je fais avec du feu. Non, ça n'a pas l'air de me marcher. Non plus. Si je fais ça. Non, ça ne marche pas non plus. Bon, tant pis. Ok. Donc, on va refaire. Je vais enlever ça, je vais remettre la nouvelle fourchette. Let's go. J'espère qu'il va bientôt y avoir du fight. Hein. Ah. Oh, sympa. Là, ça ramouille un peu quand même. Hein. Un petit coup de pied. Ah, F. Quand je fais ça, je crois que ça me donne. Ça me... Oh là, j'ai fait une bêtise. Ça, c'est chiant, ça. Non, c'est bon, ça se dissipe. Eh bien, bonne soirée, gamer paisible. Je vais finir Firecraft 6. Je passe dans la semaine. Eh bah écoute, bon courage. Je t'avoue que j'ai pris Firecraft 6 dernièrement parce que a priori je vais m'occuper du test d'Avatar Frontiers of Pandora et FCP m'a assuré qu'il valait mieux que je fasse Firecraft 6 avant pour faire le jeu des 7 différences. Voilà, comme je suis consciencieux, je vais faire ce que dit FCP et je vais tester aussi Firecraft 6. Ça ressemble à Spartacus, ce système de gore. Spartacus, eh bien je ne connais pas Spartacus. C'est peut-être un TPS et dans ce cas c'est normal que je ne connaisse pas. Mais voilà. La musique j'aime bien. Ok. Ah c'était le fameux gap. Hein. Je sens qu'il va y avoir un truc un peu vénère après. Il est pas mauvais Firecraft 6, effectivement, c'est ce que disait FCP, c'était moins de la merde que les autres. Attends, je viens d'où moi? Non, je viens pas de là. Dans un labyrinthe, il faut toujours tourner du même côté. Attends, c'est ouf. Là. Il y a vraiment de quoi se casser la gueule. Le canard en plastique. Canard en plastique, d'accord, je vais regarder vite fait le canard en plastique. Journaux, hausse. Firecraft 6 c'est bien mieux que Firecraft 5. Ouais, ça je crois que personne va dire le contraire. ouais, en canard. D'accord, bon, d'accord, ça je m'en branle. Hop là, c'est parti. Bah, écoute, on va buter celui-là déjà. Et hop là. Oh, il est tombé. Ah ouais, d'accord, il y a des trous partout quand même. Ah, je pique les fesses.
Ouh, ouais, c'est pas si mal en fait cette pique là. Il y a du monde encore. Allez, un petit coup de fusil à pompe. Je trouve que l'ambiance en tout cas est pas mal hein, de ce DLC là. Eh ben écoute, tu as le droit de kiffer, tu as le droit de kiffer Far Cry 5, hein, y a pas de problème. Hein. Je t'avoue que j'ai pas testé parce que le dernier que j'ai fait, c'est Far Cry 4. Et Far Cry 4 ne m'avait pas vraiment emballé. Parce que je trouvais trop proche de Far Cry 2. Far Cry 3, pardon. Et voilà. Et par contre, je sais pas si vous avez vu, mais il y a comme un regain d'intérêt pour Far Cry 2. Les gens disent ouais c'est trop bien et tout ça. Moi je suis plutôt d'accord, j'avais trouvé ça plutôt sympa dans le principe. Ouh il est sympa lui. Attends. Ah non, non, attends, attends, c'est pas ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Et je vais faire et A. Et ah, voilà. C'est rigolo ça aussi. Ah c'est un gros, c'est bien ce que je pense. Mais bon, mon coup de pied est plus fort que tout. Voilà. Far Cry 2 c'est cool. Je pense qu'il y a moyen d'ailleurs de refaire Far Cry 2 avec des mods pour que ce soit un peu moins nul. Enfin un peu moins chiant parce que c'est pas nul justement. Il y a plein de bonnes idées. Ah mais je suis où là, bordel. Ah, je suis paumé là. J'ai l'impression d'avoir raté plein de trucs. Hein. Ah. Et bam. Allez, les genoux pour finir. Pas plaisir. Les deux ensommeillés de mes souvenirs. Ouais, et il y avait la malaria. Une, un processus, enfin un truc qui était un peu chiant. Ah. Je sens qu'on arrive proche de la tête. Mm-hmm. Oh, c'est mignon. I'm Vero. Vero. Perhaps Honey. Well, I'm paved. No, you are here. You want a drink? Drugs? We have uppers, downers, inside outers, sensation enhancers. I'll take a goodie bag. Single-minded. Constantine chose wisely. Well, Constantine could suck my chutney. I'm just passing through and I'm not. Je connaissais pas l'expression me lécher la marmite, c'est sympa. Cult? You call us a cult? I said pervy cult. Look at all this stuff. This is haute couture. A reminder that our bodies do not define us. Est-ce que c'est vraiment une française? J'ai du mal à reconnaître un accent français. Ouais, la DA de ce DLC elle est vraiment pas mal. Before the zombies devour the world. You predicted the zompocalypse. Constantine showed us this future. Constantine, je crois que c'est l'IA à la série dans le jeu. Constantine's timing was a little off. The future is all too tied down. It squirms. But it's okay. You will save Constantine and the Ascended. Ah, c'est ce que j'ai compris. Perfect. I will rest. Now I'm in safe hands. Just give me a slap when we arrive. A bientôt. Ouais. Ah, je peux taper avec. Ok, je peux la jeter même. Ok. Je sens. Je sais pas pourquoi, mais. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah, c'est rigolo ça. Attends. Drawn to her like flies. Ah, elle est où? Elle est là. Ah, faut que je la jette, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Attends, puis je vais courir un petit peu. Allez, hop, je vais l'acheter là. Allez. C'est tout? Allez, on y va. Pas que j'ai dans un trou, c'est tout quoi.
Alors, là, je peux aussi faire des petits dashs. Hop là. Non, raté. Pour le fun. Ok. Par là, je sais pas, on verra bien. Ah, les mondes. J'adore tellement en fait voir découper les genoux comme ça. Ah, mais là, je tourne en rond, j'ai l'impression. Ah, si, je me rappelle, je suis arrivé par là. Ah, je peux pas sprinter. Ah, si, je peux sprinter légèrement. Allez hop, on va l'acheter par là. Après je pourrais prendre un petit katana de feu aussi. C'est rigolo le katana de feu. Voilà. Après c'est pas grave si je prends des dégâts parce que déjà la vie remonte toute seule, mais surtout quand je mutile, je crois que ça me redonne de la vie. Ouais, c'est ça. Et en plus je peux même grignoter des petits bouts de trucs. Je vais monter par là, je crois que c'était par là. Et c'était par là, tout à fait. Où je remonte. Par là. Oh, il y a du monde. Allez, je vais mettre. Allez, parti. Hop, ok, allez, un petit coup de fusil à pompe, ça fait du bien aussi. Allez, hop. Il y a un petit délai avec le fusil à pompe, j'ai l'impression. Alors quand il y a des ralentis, c'est qu'en général, j'ai tué tout le monde. Ah, j'ai rechargé, j'ai plus beaucoup de munitions. Je vais arrêter avec le fusil à pompe, je pense. Ok. Ah, j'aurais pu me mettre en mode berserk aussi, j'ai oublié. Elle me cause même plus, c'est dommage. Ça aurait été sympa d'avoir des petits commentaires. Ce que j'avais approché au Dead Island le premier, là, c'est qu'il n'y avait vraiment rien de mémorable. Enfin, qu'une mission vraiment hyper mémorable. Et là, j'avoue que la DA de ce DLC là apporte vraiment quelque chose. Ah, il dit, mais je marche pas sur l'air pourtant. Hop là. Alors, on va essayer. Ça fait longtemps que je passe ça. Non. Raté. Oh, bah alors. Hé, hey, il arrête pas de bouger. Ah mince. Hop, une jambe en moins. Ah. Hop. Ah, j'ai pas vu qu'il fallait. Bon. Et un bouton là. J'appuie sur un bouton. Comment prendre la tête? Alors, non. Non. Comment on fait déjà? Ouais, c'est ça. Objet connexionné, journaux, hausse, initiation. Comment prendre la tête? Commencer par les pieds et monter peu à peu. Soulever les chapeaux, prenez les parades vers les terrains. Une toile. Jusqu'à la faire gousser. Demander. Tu es un Constantin. Manger sable. Sable, manger. Mélanger as, mélanger l'as. Manger donc un morceau et le voile sur le. D'accord. Tu le dis.
Interrupteur. Let's go. La fille du jeu, ouais. Très 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 bien, ouais. C'est marrant parce que c'est sorti à peu près au même moment que Redfall, juste avant. Et il y a tout ce qui est justement système qui est beaucoup plus poussé ici que dans Redfall, qui est censé être un immersive sim dans l'idée, quoi. Et là, c'est vrai que toute la partie physique et même le fait de pouvoir déplacer par exemple les bidons, les machins, de les mettre où on veut, de faire des pièges, ça change complètement. Et là, c'est d'un coup là, bam, pour faire peur. Et même pas. Putain, did you drop me? Non. J'aime bien le putain traduit par ça par l'hypopète. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est une facétie de la traduction, ça. Iris a dit. Oh, lovely. Who's Iris? Our visionary artist. Look for the weapon at the well in the forest. Darling Iris was killed there. Iris was killed? There is Constantine. I just hope it hasn't moved. The weapon moves? No, the well. House does strange things. Bof, I just go with it. Oh, mom. Ok. Et bah, let's go, c'est parti. Tiens, je vais regarder si j'ai pas un petit truc. C'est quoi ça en fait? C'est le safe? Ah. Je vais pouvoir réparer par ici. Well, here now. Ok. Et bah... Donc je vais par là. Si j'ai le droit. Hein. Est-ce que ça s'ouvre encore? Oui. L'établi doit être par là. Peut être là. Bon. Je vais réparer mes armes. Bref. Ça c'est rigolo aussi. C'est pas mal ça. Je vais changer avec ça. Passe I. Comme ça je vais vous montrer ce que ça fait. Donc ça je vais le modifier. F2. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Électrique? Non. C'est quoi ça? Ouais, ça c'est bien ça. C'est pas électrique, c'est des dégâts, quoi, globalement. Coup critique d'affilée donne un bonus de dégâts critiques mineurs. Ouais. On prend des dégâts déjà. C'est bon. C'est quoi? Dégâts aux membres. Mais. Et la durabilité. Bon, on va mettre ça. Et on va mettre dégâts aux membres. Voilà, sympa. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ah, ça c'est vraiment bien. Bon, je vais garder ça comme ça pour l'instant. Ok, j'arrive pas à planter parce que, évidemment, j'ai. GG, ah, ça. En plus, chasse normal. Ça, c'est pas mal les marteaux aussi. Et bon, ça fait un niveau 25. À la limite. L'autre. Ah oui, alors moi non plus, je savais pas que j'avais activé les drops. Parce qu'en fait, je sais pas comment on fait pour les activer ou l'activer tout simplement. Donc, par défaut, ça doit être activé. Et donc voilà. Donc, bah, tant mieux. Donc si vous avez le jeu, effectivement, normalement, vous avez des griffes qui vont dropper. Ou des trucs, en tout cas. Voilà. Allez, hop, on est parti. Ah, on peut pas sauter quand on glisse. Contrairement, je sais plus quel autre jeu où je m'amusais à glisser et sauter en glissant. Je
special friend in my absence. Only the finest service a head can give. Oh my. Ok. Eh bien, c'est parti. Hein. Apparemment, qu'est-ce que je lisais, entre 4 et 5 heures de contenu sur le DLC. Pour 13 euros. Bon, si on a bien aimé le début, pourquoi, enfin le jeu de base, pourquoi pas. Mais ça reste un peu cher. Bah, le jeu de base, déjà, je trouve, était un peu cher. 60 euros. Sachant qu'il est rarement en promo. J'ai vu que là, il était actuellement en promo, mais c'est quand même assez rare. Et je crois qu'il y a 40 balles quand même en promo. C'est la forêt, ok. Et toujours dans un... Comme dans un studio de cinéma, quoi. Globalement. Et bah, cherchant le puits, on va essayer nos petites griffes à la Wolverine. Ils sont assez amusantes. Surtout quand on achève les ennemis. Ah, c'est un établi. Ok. Celui-là. D'accord. Bah, écoute, on... Okay. Voilà. Ok. Ah, on y est, de toute façon. Pourquoi ils sont tous par terre? D'accord. Il y a un truc là-bas ou pas? Ah, attends. Non. Non, il faut pas chasser. Faut pas que je fasse les jambes là. Il est mort, il est pas mort. J'entends du bruit. Ah, il est là. Ok. Ouais. Il y a un truc ici, ici. Ah. Ah, j'ai trouvé la touche. C'est X. Pour allumer la torche. La torche. Ah, mon heure est venue. D'accord. Eh bien, on va regarder vite fait. Non. Si c'est intéressant, on sait jamais. Mon heure est venue. Mon âme est prête. Ok, on s'en fiche. D'accord. Ouais. Trouver le mystérieux puits. Ah mais ce truc là, comment je peux le buter ça? Ça mène où ce truc? Pas très bien ce truc là. Il y a quelque chose à faire avec ça, mais je vois pas du tout ce que je peux faire. Bon. Eh bien... Dinger, ok. Ouais. On va aller par là. On va bien voir. I guess that's the well. Light the fire. Prepare. Ok. Très bien, très bien, très bien. Je vais plutôt reprendre ça. Allumer les bûchers. Les bûchers. Allumer les bûchers. Merde, j'ai trompé de touche. Marche mieux sur les jambes. Hein. Là, c'est un bûcher. Non, ce n'est pas un bûcher, ça. Mmh.
sweet recreation, bard. What doth ensue but moody and dull melancholy? Okay. To grim and comfortless despair. D'accord. Ouais. C'est quoi les bûchers? Un autre là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Père Abraham. La prochaine zone. Ok. C'est pas ça que je cherche. Je comprends pas allumer les bûchers, c'est-à-dire. Eh bien. Je ne comprends pas. J'ai trouvé. Mais, par où c'est? Je viens de là. Il y en a encore, mais en fait, j'ai l'impression qu'il pop en boucle. D'accord. Ah, il y en a un autre là. Went well for you, didn't it? Ah, c'est pas mal, volé. Ok. Bloody hell. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'ici ce truc là? Non. Non plus. Ah, c'était ça qu'il fallait faire. Oh, oula mince. Évidemment que je change. Ouais. Ah oui, c'est rigolo. Voilà. Il est où lui? Il est où celui qui crache le feu? Là, je suis assez étonné que ça fonctionne encore quand même pas trop mal. Je m'attendais à ce que, qu'avec le feu ça rame un peu, mais non. Ça marche plutôt bien. Donc là, j'ai un bûcher allumé. Le restaurant. Et bah, allons au diner. Il y a un truc rouge là. Et bah, c'est le. C'est ça, ok. Et bien. On a quoi ici? Ok. On a un autre bûcher ici? Non? C'est quoi? Une arme un peu poivre. Ok. Ah. Ok. Ah, un autre bûcher. Eh bien, let's go. Cette fois-ci, je vais prendre... l'électrique. Non. Comme ça. Ok. Ouais. À l'arène. Ouais. Voilà. Et eh ben, let's go. Ah, si je pourrais peut-être faire un truc. Où suis-je? Je suis là, et ben je vais aller à gauche. Je vais aller à gauche parce que je vais réparer mes armes vite fait. Comme ça, on est bon. Voilà. Ça, c'est vraiment de la merde. Donc, je vais jeter ça un peu. Ah si, je peux faire ça. F3 récupérer. Ça le démonte en fait et on peut récupérer des pièces dessus. Ok.
qu'est-ce que... Ok. C'est vrai qu'en plus, au cas où je suis dans une mauvaise posture, je peux me transformer plus ou moins. Let's go. Come on, you lot. I need your arms and legs. Ah, mutiler. Ah, ses mains. C'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère. Allez, on y va. Allez, venez, venez. Petit, petit, petit. Ah. Voilà. Bloody hell. Literally. Bloody and hell. Ok. Et maintenant, il faut que j'aille de côté. Et par où? Oh, je suis paumé. À droite, ok. C'est par là. C'est parti. Chercher l'arme spéciale. Well. C'est une belle blague en anglais évidemment. Bah, let's go. Allons dans le puits. Et bah c'est parti hein. Look out below. Hero inbound. Il se prend pas pour de la merde le mec. Ah. Des dessins préhistoriques. Ce truc là, je sais pas trop comment. Ah, c'est ça l'arme spéciale. Ah, ok. Veiny, brainy tendrils crawling into the flesh. Iris was telling a story of things that hadn't happened yet. It all feels so familiar. Creepy déjà vu. Déjà vu. Et effectivement, si on regarde ce qui, enfin, si on regarde ça, ça raconte plus ou moins l'histoire du jeu de base. Donc, on va regarder notre arme, une arbalète. On va remplacer quoi? On va enlever notre fusil à pompe parce que de toute façon, le fusil à pompe n'est pas de munitions. Donc, ok. Bon, pas mal. Bon, ça marche. Je vais aller par là. Donc c'est bien ça, hein, l'arme spéciale. Et je fais ça? Non. Comment on fait? Comment je fais pour passer? Comment fais-je? J'ai pas compris. Échappez-vous du puits. Eh bien. Comment ça marche? C'est cool, mais... Ah, j'ai compris. Ok, d'accord. D'accord. C'est une arme spéciale. Ok. Softly, softly, Papa Bonsi. Alors on va tester hein.
Ouais, mutilé. Ok, déjà. Dans la nuque. Raté. Ah, il demande. Et hop. Ok. Ah, moi je récupère des cartes dans la balette en plus. Ah, d'accord. Ah oui, il suffit de marcher dessus quoi. Il y a encore du monde ou quoi? Peut-être, mais. Et bien, écoute, hop, c'est parti. Full. Ok. Eh bien, on y va. Alors on va changer, on va prendre l'électrique pour aller un petit peu et ne pas abîmer toujours la même arme. Ah. Lame. Ok. Je vais juste utiliser ce truc là. Bam. Oh, c'est quoi ça? C'est un bug graphique. Dommage. Ah, c'est sombre. Hein. Ah, attends. Ah, il misait aussi. Ah, merde. Ah, je m'y attendais pas, là. Comment ça marche, du coup? Ah. Ok. Discussion, équipe sécurité alpha. Ah, ça c'est rigolo, ça explose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Objets collectionnés, journaux, os. Alors, tu crois qu'ils font quoi ici? Quand j'ai dû aller vivre, aller venir, j'ai vu des trucs. Ok. Bon, ok, ok, ok. C'est du lore. Donc ça par contre. J'espère qu'il faut pas genre une autre arme pour revenir ici et on tous retaper pour visiter les trucs quoi. Bon après avec un peu de chance, il n'y a vraiment pas grand chose de nouveau. J'attache, ok. Et on peut monter, je suppose. Oh, on monte. C'est pas grave. Allez. C'est une arme. Ah, encore une arbalète. Allez, je la prends. De toute façon, j'ai de la place. Ok. Oh, c'est quoi ça? Ah non. Non. Ah, c'est cassable, pardon. J'arrive pas à lire. J'avais pas compris le cassable. Ah. Donc là, il faut que je prenne ça. Et je trouve ici. Et ça se trouve tout seul. Ok, d'accord. Échappez-vous d'eau plus profond. Ah, j'en suis. Ah. Ah, je suis très déçu. Je croyais que ça allait faire un gong. Mais non, ça n'a pas fait un gong. D'accord. Oh. Allez, je casse ses genoux. Oh, merde, j'ai oublié lui. Hop là. Ça me met à terre, effectivement. Attends. C'est hyper efficace. Ouais. Attends.
Ok. On va mettre un peu de ça. Ah mais du coup... Ah. Ah, ça marche mieux dans la tête du coup. Forcément. Mais je suis où là en fait? Et... Hop. Ouais... Ah. Là c'est quoi? Ah. Ouais... En fait, je vais aller plutôt par là, moi. Ah mais je suis dans les chiottes là. Je vais me soigner quand même au cas où. Ça serait con de mourir. Par contre je sais pas ce que ça donne ici. Oh. Il a explosé. Ok. J'ai l'impression d'être dans le premier truc, je crois. Dans le premier. Contaminé anti-émeute. Cœur d'arbalète, ok. Ah, lettre écrite avec soin. Objet à collecter, journaux, os. Il est en train de Ok, d'accord. Très bien. Eh bien, continuons notre épopée. Et par contre, il glande quoi là? Ah, raté. Ah, voilà. Ah. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Ah merde. Oh non. Ok. Qu'est-ce que je fais moi, du coup? Bien. Je vais aller choper les carreaux. Voilà. Je vais remonter par là. Hein. C'est ça que je voulais faire. Je vais prendre ça. Ah. Échappez-vous. Où suis-je? Où suis-je? C'est marrant parce que j'ai l'impression d'être dans le truc de tout à l'heure. Après j'ai buté tout le monde, on est d'accord. Donc voilà, je suis pas allé par là. Voilà. Ouf. Il m'a fait peur lui. Ok. Tiens lui, par exemple. Par exemple, ça. Voilà. C'était... Et donc... Ah mais je reviens ici encore. Avec, un petit truc et voilà, puis aussi
Ah. Allez. Voilà. Par contre, là, maintenant, je peux faire ça. Ouais, et donc c'est pas... Ça marche pas. Ah, il y en a un deuxième. Ok. Ah, un plan. Ah, d'accord, pour faire les carrés à la bête. On s'en prend un peu. Ça c'est de la merde. Hein. Mais. C'est plein quand même. J'ai ajouté ça. F3. Hop, ça va jarter aussi. Très bien. Parfait. Carreau d'arbalète. Ah, mais je reviens ici. D'accord. Ah, je sais. Ah. Ah ouais, mais là, c'est pas la peine. Voilà. Parfait. Alors... Au restaurant. D'accord, et ben allons-y. Ah. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arme? Oh, bon, on va prendre un peu de ça. On va attendre qu'il y ait du monde. Et puis ensuite, je vais me mettre en mode sanguinaire. Et j'appuie. Et là, c'est parti. Ah, il est immunisé lui. I'm sorry, fella. This is your garden. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, on y va comme ça. Voilà, ça c'est bon. Alors. J'ai oublié que j'avais des armes à distance. Contre les boss comme ça, effectivement, il vaut mieux. S'en occuper comme ça. Et voilà. C'est bon, je suis full life en fait. Ah merde. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, on va fermer. Ah, bah voilà, c'est bien ça. This place just doesn't want to play fair. Got it. Très bien. Now, search the forest for the diner. Eh bah, let's go. J'ai juste... Oh, je vais réparer après. Vas-y, vas-y. Non, tu veux pas? Ouais, et c'est moi qui l'ai. No doubt why Iris was killed. The brains feared them. Je peux pas ouvrir, hein? Je suis obligé d'attendre qu'il parle. Oh, chérie, forgive me. But I forgot with all the everything.
Francesca Bloom responded. Francesca Bloom, the only one whose vision rivals my own. From the seven oceans left such an impression. Ouais, d'accord, ok, ok. When she poured dead fish around Long Beach, yes? They never did clean all the seagull shit away. I just wish I had thought of it first. But please, no more suspense. What did you say? D'accord, vas-y, avance. She has sent back an empty frame. An empty frame. Canvas represents her interest in joining us. Hmm.